On vient de changer l'illustration de la chaîne YouTube. Maintenant, nous allons changer l'icône de votre chaîne. Alors, l'icône de la chaîne est extrêmement importante puisque c'est cette icône qui représente votre identité lorsque vous faites des commentaires sur votre chaîne YouTube ou autre. C'est également cette icône qui est partagée avec votre profil Google+. Même si vous n'utilisez pas de profil Google+, vous ne pouvez pas dissocier cette icône de votre chaîne YouTube de votre profil Google+. Pour modifier cette image qui va faire 96 pixels sur 96, il faut préalablement charger donc une image de plus grande taille. Donc pour modifier, on clique sur le petit crayon. On vous demande de la modifier sur Google+. Peu importe. Vous arrivez dans une zone, soit vous sélectionnez une photo sur votre ordinateur, mais il faut savoir que cette photo doit avoir au minimum 250 pixels de largeur et de hauteur. Et au maximum de 800 par 800. Enfin, pas au maximum, mais idéalement de 800 par 800. Vous avez aussi la possibilité éventuellement de vous prendre en photo par le biais de votre webcam, si vous en avez une. Bon, ici, nous avons importé une photo. Je vais en prendre une grande pour avoir de la bonne qualité, bien au-delà de 800 par 800. Vous apercevez que cette photo, malgré tout, est tout à fait acceptée. Vous avez un petit carré qui vous permet de choisir la zone sélectionnée. Vous pouvez même tout à fait la réduire comme vous voulez. Et qui est proportionnelle. On va prendre ça. Il faut éviter de prendre une trop grosse photo ou image où on ne verrait pas assez de détails dans ce petit carré. Vous cliquez sur définir comme profil. Ce profil va évidemment être associé à votre compte Google+, qui vous fait une publication automatique pour prévenir les personnes qui seraient intéressées pour vous suivre dans Google+. Vous n'êtes pas obligé, donc faites annuler. Ce profil Google+, lui, est sous forme de rond, de vignette, mais il est instantanément partagé avec votre compte YouTube. Et en allant sur votre chaîne YouTube, si vous faites actualiser votre page, vous apercevez que ça y est, vous avez votre petite vignette qui est créée. Voilà.